Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session, un tirage un peu particulier, quel karma pour m'avoir blessée. Alors tout de suite en préambule, première information de taille, on n'est pas là pour se réjouir du karma de l'autre, on est là pour essayer de comprendre comment fonctionne ce principe par ricochet. Alors l'idée c'est évidemment de pouvoir se positionner sur un de vos choix et de pouvoir regarder ce tirage comme étant intemporel de la guidance collective. Donc évidemment je fais appel à votre bon discernement, vous le savez ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Par ailleurs inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoient à mon site. Je vous rappelle que Medium Canal signifie que les supports que vous voyez ne sont que des utilisations d'accessoires visuels pour me permettre de partir en lecture direct. Allons donc voir en fonction du groupe que vous avez choisi ce qui se passe pour la personne qui vous a heurté, abîmé, fait souffrir au niveau du karma et vous risquez d'être surpris parce que ce n'est pas forcément de la manière dont vous vous attendez. Allez, premier groupe, premier choix. Alors ici, oula, alors ok, j'essaie de tout bien regrouper, vous me donnez quelques secondes pour bien démarrer et comprendre là où on m'emmène, parce que j'ai vous d'un côté, j'ai l'autre, donc j'essaie de comprendre à qui appartient quoi. D'accord, alors, Alors ici on est dans une situation où vous avez fait l'objet d'un rejet. Le rejet, il est à 80% de l'ordre amoureux affectif. Ce rejet vous a emmené à une grande souffrance intérieure parce que je pense que vous ne vous attendiez pas à ce rejet au regard de ce que l'on vous avait montré. Je m'explique. C'est comme si cette personne avait eu une attitude plus qu'ambiguë, plus que louche, qui vous a laissé penser étape par étape qu'en fait, vous ne vous faisiez pas d'illusions. Ce qui signifie que vous bafouillez dans vos émotions, vous êtes à mon avis déjà sorti, vous avez compris, ou en tout cas en passe de sortir, vous avez compris qu'il y avait mal donne, vous avez compris, et dans mal donne, c'est la mauvaise donne, hein, mais que c'est l'autre qui a joué la mauvaise donne. Ce qui signifie que pour vous avoir heurté, en fait, il y a deux éléments karmiques qui vont venir s'encoder sur cette personne. Premièrement, la notion de jeu. Tu as joué avec moi. Je vous laisse imaginer le type de jeu que cette personne va se prendre en retour. Balayette, ce n'est pas forcément les amis dans le domaine affectif. C'est très important de le dire parce que si pour cette personne vous n'étiez rien côté affectif, il s'en tape de l'affectif. Par contre, si vous savez, vous connaissez que cette personne est accro au boulot, attendez-vous à un retour de karma balayette avec la notion de jeu, être pris pour un con, pour un pigeon, dans son boulot, se faire carotter, et là, cette personne va savoir ce que c'est que de jouer avec les sentiments des autres, ses propres sentiments, là, affectifs, mais de se retrouver être un enjeu dans un jeu professionnel. Vous voyez, j'essaie de vous expliquer que ce n'est pas là où vous pensez que cela puisse être, parce que si cette personne n'en a rien à caguer de votre pomme, ni même du domaine affectif, cette personne joue avec les gens comme elle jouerait une partie d'échecs. Et là, l'univers dit « bouge pas, Coco, t'as raison, tu as joué, tu inscris une ligne entre toi et l'univers, donc une règle de jeu, le jeu va te revenir et chez toi, ça tombe bien, c'est le jeu. » Donc, c'est un premier des aspects sur la notion de « tu as joué, donc on va se jouer de toi ». Mais pas, je le redis, dans le domaine forcément affectif, parce que j'ai quand même une grosse partie de joueurs, players, manipulateurs, bref, des sacs à merde, pour dire les choses clairement, qui ne sont pas du tout matures, et ni maturés pour les sentiments, les émotions, et vous vous êtes fait carotter, parce que vous y êtes allé, franchement, vous avez, entre guillemets, tout donné, en vous disant, mais c'est bon, c'est validé, apparemment, ben non, il y a du répondant. Non, c'était du jeu. Vous savez, c'est difficile, les amis, lorsque on y met son cœur et qu'on a envie, qu'on y croit, qu'on sent le truc. C'est difficile de revenir. Pragmatisme, pragmatisme. Alors, c'est une petite vierge qui vous le dit. Moi, je suis très pragmatique. Tu peux essayer de m'engluer tout ce que tu veux. Dès que je vois un élément qui est contradictoire à ma pensée ou qui me fait un petit grain de sable dans ma mécanique, je m'arrête et je suis en vigilance. Et c'est ça. Cet exercice, cette rencontre-là, ce trauma-là, il vient d'une expérience où on vous dit « soyez en vigilance ». Soyez en écoute, bien sûr, de vos émotions, de vos sentiments, bien sûr, mais votre intuition vous dit quoi?
voyez, si vous avez placé des jalons pour voir si cette personne était honnête, était un donné, etc., et que vous aviez besoin d'en faire, vous, toujours plus, parce que l'autre ne fait que jouer, il ne donne rien. Soyez honnête et regardez cette expérience-là. C'est une grande leçon pour vous aussi. N'oubliez pas que nous faisons toujours partie d'un karma de l'autre, où nous sommes nous-mêmes créateurs. Hein. On écrit le karma à venir pour nous. Donc, le premier des aspects ici, c'était que cette personne se jouait de vous, donc va être jouée sur le domaine qui était important pour elle, et manifestement, ce n'était pas du tout l'affectif et les émotions. Deuxième aspect ici, toujours dans ce groupe numéro 1, c'est que le karma pour cette personne, c'est qu'en fait, c'est la notion de vous avoir laissé sur le carreau. Et laissé sur le carreau, je peux vous garantir qu'ici, j'ai des pertes. Je vois des pertes financières, je vois des pertes de réalisation. Encore une fois, comprenez bien, cette personne n'en a rien à caguer au moment où nous parlons, au moment où nous regardons l'énergie, elle n'en a rien à caguer d'avoir fait du mal, elle n'en a rien à caguer de la partie émotionnelle, donc on va aller taper dans sa poche, dans son portefeuille à elle, dans ce qu'elle aime cette personne, dans ce qu'elle chérit, dans ce qu'elle valorise le plus. Encore une fois, on n'est pas là pour ni montrer, ni stigmatiser, ni se réjouir du karma de l'autre, mais l'autre doit aussi apprendre. Et forcément, de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu ça, ça? Je sais pas, réfléchis. À ton avis, tu as joué quel rôle dans la vie de quelqu'un d'autre? Tu as posé quelle énergie? Tu t'es moqué, tu t'es fourvoyé dans quoi et dans quoi? Les amis, c'est très important, ce type de tirage, et je le dirai pour chaque groupe, c'est très important que nous comprenions individuellement parlant que tout ce que nous disons, émettons, projetons dans le concret matière est un appel à l'univers de l'écriture de notre histoire à venir. Vous devez comprendre ce qui s'est passé, vous devez vous en libérer, vous devez vous réparer. Il faut du temps pour se réparer, surtout quand ça touche évidemment le chakra cœur. Si vous avez au besoin, vous avez plein de méditations gratuites dans les playlists, chirurgie de lumière pour vous aider à transguérir tout ça. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, dans la description, vous avez mon site avec un soin chakra cœur qui est très particulier. Mais ça, c'est en privé, ça n'a rien à voir. Je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, une belle guérison pour vous. Là, c'est vraiment, vous avez compris, si vous me suivez, on se fout en fait du karma de l'autre. Mais notre mental a quand même besoin de savoir, de dire, oh nom de Dieu, je suis passée par là. J'espère au moins que ce n'est pas pour rien et que ça fera travailler l'autre. Oui, je vous garantis que ça va faire travailler. Mais bien au-delà du chakra cœur, dans ce qui est le plus important pour cette personne qui n'avait rien à voir avec le chakra cœur. Donc, la justice est toujours rendue, pas comme vous pourriez le penser, pas comme vous pourriez l'imaginer, mais c'est simplement que cette personne a écrit pour elle-même la suite de son devenir. Donc, pensez à vous, voyez ce type de tirage et de guidance comme des choses un petit peu superficielles. En fait, en réalité, on se fout de savoir ce que l'autre va travailler, entre guillemets, payer, puisqu'il ne vous doit rien. C'est vous qui devez travailler sur cette expérience-là. Je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 1, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Groupe numéro 2. Alors, vous me laissez quelques secondes que je puisse rassembler tous les éléments de part et d'autre. Alors ici, on a vraiment de la maltraitance, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont eu une attitude malveillante. Et j'ai plein de choses tellement différentes, je vais volontairement rester le plus flou possible parce que j'ai vraiment plein de situations familiales, amicales, ça n'a rien à voir, le boulot, le machin. J'ai de la malveillance. Donc, je vais le redire comme pour tout le monde. S'intéresser, entre guillemets, au karma de l'autre, allez, on va dire c'est juste un spot qui est mis une fraction de seconde, le temps de ce tirage, on passe à autre chose. On n'est pas là pour se gausser, se nourrir de ce qui pourrait arriver à l'autre au niveau de sa souffrance, au niveau de ce qu'il va vivre. Ceci étant, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que cette histoire de karma, elle nous met dedans, puisque on l'a vécu, mais elle met aussi l'autre dedans. Et donc, elle écrit le karma également de l'autre, c'est-à-dire d'une expérience à venir. Il ne faut pas croire qu'on peut faire tout et n'importe quoi sur autrui et que rien ne va se passer. Moi, depuis longtemps, je cultive l'amour, la bienveillance, je refuse de rentrer dans les dramas, je refuse de faire du mal à l'autre, je me défends. Mais je me défends de ce que l'autre voudrait m'emmener à vivre. Et là, j'ai l'impression qu'on vous a emmené à vivre quelque chose qui pue. On va dire les choses clairement, où vous avez été malmené, où vous avez été stigmatisé, où vous avez été, voilà, vraiment été comme un paria pour certaines personnes. Et c'est de la malhonnêteté pure. Alors la malhonnêteté, sachez que pour cette personne en face de vous, au niveau du karma, la malhonnêteté, c'est, elle ne va pas se retrouver avec des gens malhonnêtes comme ça, d'esprit à esprit.
C'est qu'en fait, cette personne est malhonnête envers elle-même, c'est-à-dire qu'elle est dans le déni de beaucoup de choses. Et le déni va lui coûter. Je vois des problèmes administratifs importants, récurrents, donc avec derrière des choses à gérer qui sont des grosses problématiques administratives financières, d'accord, pour cette personne, et comme des incapacités de s'en sortir. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme un papier collé au bonbon. Ça ne s'arrête jamais, c'est collé, c'est là, ça ne veut pas nous lâcher. Donc, je pense que c'est des personnes qui vont avoir sur un temps assez long, au final, des embrouilles administratives, des dettes, des dossiers à régler, voyez, des problématiques de cet ordre-là. Également au niveau du karma par rapport à cette personne, c'est également quelqu'un qui va se faire avoir sur des pseudo-amitiés. Ben, ça va être la façade en carton. Voilà. On a quelqu'un qui a joué du carton, ben, va se taper de la façade en carton. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné sincèrement. Donc ne vous inquiétez pas, cette personne ne recevra pas sincèrement. Donc voilà ce que l'on souhaite vous dire, groupe numéro 2. Moi, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et surtout de la guérison. Toutes nos expériences sont là pour nous faire guérir, nous faire grandir. Ce que vous avez vécu, en fait, on se fout de savoir ce que l'autre va vivre dans son karma. Puisque, rappelez-vous une chose importante, lorsque j'inscris mon quotidien dans ma pensée, dans mon action, dans mes vœux que je mets dans la matière, eh bien, je dis et je demande à la vie de me donner raison. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que ces personnes qui vous stigmatisaient, qui vous ont pardon, stigmatisé ou qui actuellement encore peuvent être dans une forme, on parle de déloyauté, eh bien, ne vous inquiétez pas. Elles vont apprendre ce que c'est que la loyauté et la déloyauté. Elles vont l'apprendre, mais pas forcément comme vous, vous l'avez dans la tête et dans l'esprit en disant « Elle m'a fait ça, elle doit payer pareil. » Ah, ben non, parce que si elle vous a fait ça, c'est sans doute que le sujet sur lequel vous étiez, cette personne n'en a rien à caguer. Ben oui, mais qu'elle a d'autres petites pépites dans sa poche qu'elle préserve et qu'elle ne voudrait pas qu'on vienne toucher. Et là, je vous ai dit, administratif, financier, à mon avis, ces personnes vont avoir des problématiques un petit peu complexes à gérer, mais ça leur appartient. Pourquoi ? Mais parce que justement, c'est l'enjeu de leur travail. Donc, ne vous prenez pas le chou à essayer de savoir ce qui va leur arriver. On s'en tape, on s'en colle. Travail sur soi, réparation de soi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Groupe numéro 2, passez de très belles fêtes de fin d'année, que la lumière vous accompagne. Et nous allons parler surtout plutôt que du karma, de guérison de soi, pour s'épargner soi-même un karma, à vouloir absolument balancer à l'autre des énergies, je veux que tu payes. Non, il n'y a rien à payer. Vous avez vécu une expérience. Comprenez cette expérience et laissez à l'autre de travailler sur les ricochets de son expérience et de sa posture. Je vous embrasse, prenez soin de vous, groupe 2. Allez, groupe numéro 3. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit pour vous. Je vais vous demander quelques secondes pour essayer de trier dans tout ce que je reçois entre vous et l'autre. Je vais en profiter pour vous dire qu'au niveau du karma, on s'en tape en fait de savoir ce qui va lui arriver l'autre à l'autre. Mais ok. Alors ici, on a une forme de spoliation. Je pense qu'il y a de l'abus. Alors l'abus, je vois plusieurs choses différentes, donc volontairement, je vais rester flou. J'ai des abus en tout genre, j'ai du financier, je vois des abus de faiblesse ici. Là, j'ai des abus sur de la gentillesse, hein, c'est-à-dire ne jamais rien donner, mais prendre. On n'est pas dans du donnant pour résumer ce groupe-là. Là, vous vous êtes fait carotter, pigeonner sous toutes les formes possibles et imaginables. On n'était pas dans le donnant, on n'était pas dans la sincérité. On était dans, vous allez appeler ça des vampires énergétiques, qui viennent prendre tout ce qu'ils ont lieu de prendre. Alors, quelle est la leçon ? Vampire énergétique, on n'est pas dans du donnant. Quelle est la leçon pour celui d'en face ? De toute façon, ce ne sont pas des personnes qui donnent. Ici, c'est clair et c'est net, je vous ai balayé un peu le spectre de ce que j'avais reçu. Ce ne sont pas des personnes qui donnent, donc c'est des personnes qui ne savent que prendre. Vous la voyez venir, la douille ou pas ? Eh bien, je pense que ces personnes vont être dans un cheminement et je vois un escalier, vous voyez, une bille, bim, bim, une bille qui fait bim, 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 qui descend les escaliers. Ben, ces personnes vont descendre de leur piédestal. Ces personnes vont descendre et vont avoir vraiment le coco bien secoué parce que je pense que ces personnes vont rétrograder. Non pas qu'il n'y ait de grade, mais elles, dans leur mode de fonctionnement, elles sont au-dessus de vous, elles n'ont rien lieu de vous donner, elles sont là pour prendre, elles doivent tirer de la substance, d'énergie, d'attention, d'ego, d'argent, de « je prends ». Et là, c'est terminé. Ça signifie qu'elles ne pourront plus prendre, mais qu'on va leur prendre les choses dans les poches, qu'elles vont perdre dans la matière, puisque de toute façon, ces personnes ne sont pas dans le donnant, émotionnel, vibratoire, donc ça, c'est pas leur monde. Hein. Elles sont dans la représentation et la matière. Donc, ben, attendez-vous à ce qu'elles aient écrit, envoyé à la vie, la phrase suivante. Je ne suis là que pour prendre. Et la vie dit, ben, ok, je vais t'apprendre ce que c'est que de prendre, mais on va te prendre, puisque tu ne sais pas donner.
tu ne veux pas donner, ok, ben on ne va pas te donner. Donc comme on ne va pas te donner, tu ne pourras plus prendre. Et là, ce sont des personnes qui vont vraiment perdre. Perdre des pseudo-amitiés, parce que ce n'est pas des amitiés, elles ne prenaient que les gens par intérêt. Prendre également dans la poche de l'autre au niveau financier, ça signifie qu'elles vont perdre sans savoir comment ça s'est passé, parce qu'on leur a pris de la... Oui, c'est ça. On leur a pris, on va leur prendre de la même manière qu'elles vous ont prises, les choses dans vos poches. Et donc, c'est des personnes où vous allez apprendre. Voyez le jeu de mots, l'univers est très rigolo. Vous allez apprendre que ces personnes, bah, à force de prendre, vont apprendre elles-mêmes leurs leçons. Donc, je le redis systématiquement, groupe numéro 3, pour tout le monde, très important de comprendre que le karma de l'autre, en fait, on s'en tape. Ce qui est important, c'est de comprendre notre leçon. Nous émettons nos voeux, nos volontés, nous actons dans la matière, nos paroles, nos gestes. Et donc, tout ça, c'est de l'énergie. Si, dans la matière, je comprends cela comme étant une expérience et que je me fous de savoir ce que l'autre va se prendre en ricochet, je fais preuve de grande intelligence, évidemment, mais surtout, je comprends qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me dire « on va encore me prendre, je vais encore me faire bananer ». Parce que si je dis ça, je demande à la vie de me donner raison. Donc, si vous voulez plus des merdasses de cet ordre-là, arrêtez avec ces phrases-là et dites-vous « je mérite ». Je mérite l'honnêteté, je mérite la loyauté, je mérite de découvrir l'amour le vrai, je mérite de découvrir de belles relations, de beaux échanges. Je mérite. Et si vous dites ça, vous envoyez à la vie et à la demande à l'univers, prouve-moi que j'ai raison. Et l'univers dit, bouge pas. Ah, tu mérites ça? Yes, allez, je t'envoie ça, tu me dis ce que t'en penses? Mais si je reste dans ma crasse, dans mes programmations, qui sont des programmations chez vous, hein, quant à recevoir encore et encore trahison, tromperie, etc., ça, il faut en sortir, c'est un travail vraiment de transguérison que vous devez faire sur un ancrage, coupure des liens et des miasmes à la matrice, tout ça étant en accès libre sur les méditations en chirurgie de lumière sur ma playlist, puis de travail, deuxième méditation comme mon d'estime de soi, pour vous renforcer dans votre bloc énergétique, et pour les personnes qui seraient intéressées, je vous le dis, peut-être prévoir un nettoyage par mon fils, c'est en description sous... C'est en description sous la vidéo. Certaines personnes qui en ressentiront le besoin, ce n'est pas parce que je dis quelque chose qu'il vous le faut. Si ça ne vous parle pas, par pitié, écoutez-vous. On est là pour l'autonomisation des âmes. On n'est pas là pour vous mettre à défaut. Écoutez-vous, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que ça vous est destiné. Si ça vous parle, si ça vous touche, oui. Sinon... C'est une information, rappelez-vous, vous êtes des milliers à regarder ces vidéos. Mais là, j'ai des personnes qui vont avoir besoin d'aller au-delà de l'ancrage, du travail de l'estime de soi. Il y a également des encodages mémoriels à dégager, parce que c'est ce qui explique que vous vous tapez ce genre de crasse à répétition. C'est comme si vous étiez dans une forme d'auto-sabotage. Donc, si ça vous parle, c'est en dessous. Sinon, ce n'est pas pour vous, c'est très bien ainsi. Merci mon Dieu, c'est que tout va bien. Je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Groupe numéro 3, que la lumière vous accompagne. Que vous puissiez en tirer toutes les compréhensions de cette expérience et de vous foutre du karma de l'autre, parce qu'au final, ben, ça lui appartient, c'est son expérience, il s'est positionné de cette manière, il recevra l'autre, recevra donc ce qui lui est dû dans sa part d'apprentissage de cette expérience qui est, voilà ce que tu as fait autrui, maintenant, voilà ce qu'on te fait, dans une dimension bien sûr qui doit toucher. Alors, on en pense quoi et on grandit comment? Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Merci à tous pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Que la lumière vous accompagne. Bye bye.